Six jours après sa belle victoire contre la Nouvelle-Zélande en couverture de la Coupe du Monde, le 15 de France revient sur le pré pour disputer son deuxième match dans le Mondial. Ce jeudi, face à l'Uruguay, l'un des deux petits poussets de la poula. Alors que les Bleus sont déjà quasi assurés de la première place du groupe et peuvent sereinement songer à leur quart de finale le week-end des 14 et 15 octobre. Fabien Galthié a d'ailleurs décidé de faire tourner son effectif. Seuls trois joueurs enchaîneront les deux rencontres. Pour autant, les tricolores ne devraient avoir aucun mal à prendre la mesure de leur adversaire et un gros carton est attendu. À tel point que certains imaginent les Bleus battre le record de la plus grosse victoire du 15 de France en Coupe du Monde. Le défi sera de taille pour les troupes de Fabien Galthié. La plus large victoire des Bleus en Coupe du Monde remonte à 2007. Dans la foulée de leur défaite face à l'Argentine en ouverture, les hommes de Bernard Laporte s'étaient en effet vengés au détriment de la Namibie en l'emportant 87 à 10 avec 13 essais à la clé. Vincent Clerc, Sébastien Chabal et Julien Bonner s'offrant chacun un doublé. Cette victoire effaçait des tablettes le précédent record, qui datait de la première Coupe du Monde. Les Français avaient terminé leur phase de poule en corrigeant le Zimbabwe 70 à 12 avec là aussi 13 essais marqués. Didier Cambera-Béraud en avait profité pour inscrire la bagatelle de 30 points. Aucun bleu n'a fait mieux depuis. Sur le podium des plus grosses victoires du 15 de France figure un autre match de la Coupe du Monde 2007. Face à la Géorgie, les Bleus l'avaient en effet emporté 64 à 7 avec pas moins de 9 essais inscrits dont un doublé de Christophe Dominici.